bienvenue sur Rollistes TV pour une nouvelle idée cadeau pour ce calendrier de l'Avent. Et encore un beau jeu de société, vous savez que j'aime les jeux de société. Et là, je vais vous parler de Lord of Xidith. Petit jeu de mots pour Dixit, un jeu de société très connu déjà. Tout simplement parce qu'on reprend l'univers. Alors, ce jeu a déjà existé sur plusieurs formes. Le premier était une forme gratuite Marchand d'Empire. Puis il a été édité dans les années 80-90 sous le nom d'Himalaya. Et il revient avec ce nouveau nom, un nouveau relookage de Naiad. Et ça reste toujours un très bon jeu, des mécaniques revues bien évidemment. Un jeu de Régis Buncey. Alors, en gros, c'est un jeu de programmation. Vous allez avoir 6 actions à votre tour que vous programmez au fur et à mesure, sans savoir ce que les autres joueurs vont programmer. Et c'est là que ça va être la même merde. Bref, un très bon jeu où, bien évidemment, les coups fourrés sont de mise. Mais il faudra, bien évidemment, utiliser un petit peu son instinct. Très peu de hasard. Pour 3 à 5 joueurs, pour des parties d'une heure et demie, comptez 2 heures pour la première partie, tout de même. 14 ans et plus, une boîte bien chargée pour un prix qui est aux alentours de 45 euros. Voilà, à très bientôt sur Rollistes TV pour une prochaine émission. La même merde. Tout le monde va devoir jouer en même temps. Quoi? On peut pas dire. Je pense que vers le 17 décembre, là, on sent. Demain, le 17 décembre, ouais. Ça commence à être ça, c'est la présentation que j'ai jamais vue. Attends, je profite des rues. Vas-y, là c'est la même merde. Bon, le jeu est très bien, mais au moment où vous devez tout jouer, on m'en fout, on la garde. Voilà. On garde la même merde. Ouais. Moi je dis on garde la même merde. Je la refais en entier ou on coupera? Comme tu veux. Comme je veux, bon écoute, on va continuer. Et là c'est la même merde. J'étais à combien? Ouais. Toi, t'as pas complètement Non, ça m'attend encore. T'as encore 20-30 secondes. D'accord. Il faut que tu te présentes là.